toujours dans l'église orthodoxe, ils prennent, c'est un élément pour faire notre prière. Et ce n'est pas un petit morceau de bois, les icônes, mais c'est quelque chose qui nous rappelle une personnalité qui a vécu et maintenant qui est dans l'après-monde. Ça va durer jusqu'à 1571.
Venise, un des grands centres de la Renaissance italienne. C'était normal que l'influence, l'impact de l'humanisme italien arrive jusqu'à Chypre, d'autant plus que des communautés grecques, comme le disait davantage de Chypriotes et de Crétois, vivaient en Crète, à Venise et à d'autres centres importants de l'Italie. On remarque donc, à partir du début du XVIe siècle, un passage entre la peinture byzantine locale et l'humanisme renaissant. Et on peut distinguer deux groupes de peintres, un groupe qui est très sensible vers la Renaissance italienne et un groupe qui reste assez conservateur et qui perpétue la tradition déjà acquise jusqu'au XVe siècle, surtout avant la chute de Constantinople, ce qu'on appelle la dernière phase de la peinture byzantine, à savoir celle paléologue. On nomme toujours l'évolution de la peinture byzantine d'après les dynasties des empereurs de Constantinople. Durant le XVIe siècle, on a cette évolution, on distingue principalement les deux groupes, les groupes des artistes conservateurs et les autres ouverts vers l'humanisme. Et en 1571, l'île est occupée par les Ottomans. Elle fait dorénavant partie de l'Empire ottoman, tout comme d'autres pays grecs orthodoxes ou slaves orthodoxes ou balkans, et ça jusqu'au XIXe siècle. La production artistique s'est restreinte plutôt dans les milieux ecclésiastiques. Il y a très peu de peintres laïcs durant la domination ottomane. On remarque un resserrement en soi-même, on éternise, on perpétue la tradition acquise. Il y a une variété, mais on ne peut pas dire que la peinture est toujours au niveau, au même niveau qu'elle était auparavant. Mais cet épanouissement, cette expansion de la peinture et le fait que les peintres signent les icônes nous permettent de savoir tous les ateliers artistiques et puis les élèves qui fréquentaient tel ou tel maître. Fin 18e, encore une étape très importante pour l'évolution de la peinture des icônes à Chypre, un peintre crétois qui s'appelle Ioannis Kornaros, Jean Kornaros, le crétois, après avoir passé au Mont Sinaï, au monastère de Sainte-Catherine, il arrive à Chypre où il reste plusieurs années. Il influence par son style personnel la tradition locale et tout le 19e siècle produit des icônes que l'on place dans ce qu'on appelle l'école de Kornaros. C'est une école qui se remarque par les motifs ornementaux d'inspiration de Rococo, prédomine les motifs en courbe qu'on trouve dans les gravures de l'époque, dans les ornements des livres imprimés et dans la peinture. Les visages ovaux, très charnus, et puis les plissés de travers très sophistiqués, très recherchés. Et puis, au niveau technique, on travaille la tempéra, c'est-à-dire la couleur mélangée à l'œuvre, mais on commence à employer aussi des lacs, parce qu'on dore toute la surface, et puis pour appliquer les couleurs là-dessus, il faut mélanger les pigments avec du vernis et ça tient bien. Fin 19e, d'autres valeurs esthétiques commencent à prédominer, qui viennent du mont Athos, sous l'impact de la peinture russe. C'est une peinture à caractère très réaliste, très naturaliste, qui s'éloigne beaucoup de la vraie et stricte tradition byzantine. Et ça jusqu'au mi-XXe siècle, à partir de ce moment-là, des peintres qui ont fait des recherches et qui ont découvert des manuels qui avaient été écrits au Moyen-Âge et après, tout ça a été publié et ça va ensemble avec la recherche scientifique des byzantinistes, des historiens, de l'art, des archéologues. Ça donnait l'occasion aux peintres de connaître mieux la tradition et revenir donc aux origines. C'est pour ça qu'à la fin de l'exposition, vous verrez des icônes de 1094 qui montrent justement l'état actuel de la peinture d'icônes qui se fait une peinture qui retournait aux origines, mais c'est un commencement. On ne sait pas comment ça va évoluer. Mais il y a une chose importante que je viens de dire, tant que l'orthodoxie existe, l'objet du culte d'icône existera à la fin. Ben voilà, c'est magistral.
La peinture byzantine, je pourrais dire qu'elle est la continuation de la peinture romaine, puisque l'Empire, ce qu'on appelle l'Empire byzantin, est en fait la continuation de l'Empire romain de l'Orient, après la séparation de l'Empire en Occident et en Orient à la fin du IVe siècle. Puisque ce qu'on appelle les empereurs de Constantinople, ils signaient jusqu'en 1453, jusqu'à la chute de Constantinople, comme courante romain. Et le terme romain a pris à un certain moment la signification de l'Hélène, du grec et de l'orthodoxe. C'est pour ça que dans une langue en arabe, roum, ça veut dire grec, où on a les roum orthodoxes ou les romains, sont les grecs, les byzantins de l'époque, qui ont été arabisés au fur et à mesure, mais ils ont gardé les grecs dans leur cérémonie. Si on prend ça en considération, on voit qu'il y a toute l'évolution de la peinture depuis les origines, mais elle a évolué d'une manière, de façon à répondre aux besoins du dogme et de la théologie, de la chrétienté et je vais dire de l'orthodoxie après le schisme, puisqu'il ne faut pas oublier que tous les conciles œcuméniques, on parle de près de millénaire, ont eu lieu avant le schisme de l'Église, donc c'était commun, tout l'était. Et le grand moment pour l'épanouissement de l'icône, c'est lorsque les questions, les problèmes de l'iconoclasme prirent fin en 1843. À partir de là, l'évolution de l'icône continue sans cesse jusqu'à nos jours. Et je vais dire que le 7e concile œcuménique qui a eu lieu en 787 constitue, comme le grand byzantiniste Rans Simanti, constitue la charte des peintres byzantins. On a dit, lorsque le problème de l'iconoclasme a fini, que l'icône n'est pas un objet auquel on rend les cultes, mais un objet à travers lequel on transmet notre respect au personnage représenté. Ça veut dire quoi? Représenter un personnage qui est déjà dans le monde céleste, qui est déjà au paradis, qui est différent de ça, le martyr, ou alors figurer et représenter différentes scènes narratives. Donc, on essaye de représenter au moyen des matériaux terrestres ce qui est infini, ce qui est transcendant, ce qui appartient au monde céleste, ce qui est spirituel. D'où le besoin d'inventer des conventions techniques, iconographiques et des valeurs esthétiques qui pouvaient traduire ça. C'est pour cela que la peinture byzantine procède à l'abstraction de tout qui peut faire allusion au monde réel dans lequel nous vivons. Abstraction de la profondeur, c'est-à-dire de la troisième dimension, abstraction du traitement illusionniste des pigments. La peinture byzantine schématise, travaille avec les lignes, les contours, il n'y a pas de profondeur, et même lorsqu'ils veulent suggérer la profondeur, c'est plutôt, au lieu de la perspective, c'est plutôt le dessin axonométrique, isométrique, mais pas juste. Parce qu'ils veulent représenter la réalité, mais pas la réalité moderne. Puis, la façon dont ils modèlent les visages, c'est le contraire que celui dans la peinture occidentale. Ils commencent par les couches les plus foncées, les couleurs les plus foncées, et puis on ajoute les lumières, les sarcomes, la chair, les lumières, les différentes finitions, on avance vers les tons les plus clairs. Tandis que dans la peinture occidentale, on met d'abord les couleurs claires et puis on met la sfumatura, comme les Italiens disent, c'est-à-dire on procède à l'application des ombres. Et ça, pour donner un aspect de visage. Quand on voit ces seins qui surgissent du fond d'oreille maître, on a l'impression qu'ils viennent du monde de l'au-delà. Ce sont des figures qu'on a l'impression qu'ils viennent de la pénombre. Ils n'ont rien d'humaniste, rien qui exalte la nature humaine, mais ils doivent être toujours ascétiques et correspondre au monde transcendant spirituel de l'art du ciel. C'est lumineux.
πάντων ημών, νηστεί Κύριος ο Θεός.